bien content qu'on parle de ce film. Bah, merci d'être là. C'est pas toi, bien volontiers. Vous avez travaillé dans la radio, la presse écrite, la télévision, le cinéma et également sur des festivals. Qu'est-ce qui vous plaît dans vos différents métiers ? En fait, c'est juste une évolution, une heureuse évolution de ma carrière. C'est vrai, j'ai commencé dans la presse cinéma, j'ai commencé comme journaliste de cinéma. Et à un moment, au bout de presque 20 ans, il se trouve que la crise économique a fait que ma carrière a changé et que j'ai commencé à travailler pour des festivals de cinéma. Et que j'ai trouvé, en revanche, que c'était une façon plus intéressante pour moi de défendre le cinéma que j'aime. Alors ici, à Angoulême, je défends les talents que j'aime au travers de la sélection qui est faite par Marie-France Brière et Dominique Besnéard. Mais dans un autre festival dont je suis le directeur artistique, donc c'est moi qui choisis les films. Donc là, je défends un cinéma que j'aime et qui me semble mériter d'être exposé aux spectateurs. Et j'ai trouvé que c'était une façon plus intéressante de défendre les films que d'écrire, même si j'adore écrire, 3 lignes dans un magazine de cinéma pour dire « ouais, le film, il est super ». Parce que amener les films aux gens, leur permettre de découvrir les films, je trouve ça plus important. Et après, autre hasard de la vie, comme dirait Claude Lelouch, j'ai fini par accepter l'idée que j'avais peut-être quelque chose à dire et à filmer. Et donc j'ai réalisé et des courts-métrages, et là je travaille à réaliser mon premier long-métrage, et des documentaires, plutôt des documentaires de cinéma, parce que c'est à peu près tout ce qui m'intéresse. Et j'ai réalisé un documentaire sur Cédric Clapiche qui a été diffusé il y a 10 ans ici, puisque c'était lors du premier FFA. Et puis j'ai fait entre autres un documentaire sur le César du meilleur espoir, qui a été montré ici à Angoulême l'an dernier. Et enfin, cinéma au féminin pluriel qui vient d'être présenté. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce documentaire sur la parité homme-femme au cinéma ? Ce qui m'y a poussé, c'est d'abord, à l'origine, c'est une commande de Canal+, la chaîne, qui, après m'avoir proposé de faire un documentaire sur le César du meilleur espoir, ça s'est bien passé, ils étaient contents du résultat, et donc me proposent de réfléchir à une idée autour de films réalisés par des femmes qu'ils vont, eux, mettre à l'antenne, me disent-ils, en février 2019. Et donc on est un an avant, et je me dis que c'est chouette tout ça, mais que peut-être qu'on pourrait parler d'autre chose plutôt que de juste elles sont jeunes, elles sont réalisatrices, ou voilà. Et entre-temps, pour faire un peu rapide, il se passe l'événement qu'on voit au début du film, c'est-à-dire qu'il y a la montée des marches des 82 à Cannes. Et là, je me dis qu'on est passé de la prise de conscience qu'il y a un problème, prise de conscience née de l'affaire Weinstein quelques mois plus tôt, au début d'un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a un côté stop, ça suffit, maintenant on va agir. Et on va dire qu'on ne peut plus continuer comme ça et qu'il faut véritablement qu'il y ait des changements. Il ne faut pas que le soufflet retombe, il faut qu'il y ait des changements. Et je me suis dit que ça, c'était intéressant de faire un état des lieux à ce moment-là, parce que d'autres que moi, et je pense notamment à Jules Gaillet, avaient fait un travail sur... c'est quoi être une femme cinéaste, pour simplifier. Et je me disais que là, il fallait quand même parler de ce mouvement. Il fallait montrer ce mouvement. Et pour montrer ce mouvement, il fallait qu'il y ait beaucoup de femmes qui parlent. Oui. Je ne pouvais pas me contenter de 4-5 témoins. Et qu'il fallait que ce soit des femmes qui, tant qu'à faire, avaient le pouvoir elles-mêmes de changer un tant soit peu les choses. Et par là, je veux dire qu'une productrice peut décider de produire une réalisatrice, et une réalisatrice peut décider d'engager une caméraman, une ingénieure du son, une décoratrice, bref, décider que le métier change, la physionomie du métier change.
et qu'il y ait plus d'égalité dans les corps de métier du cinéma, et plus d'égalité dans les gens qui réalisent des films, et plus d'égalité dans les films qui sont montrés dans les festivals. Et j'ai proposé donc l'idée d'un documentaire, enfin j'ai écrit le projet à peu près comme vous l'avez découvert, et voilà, et Canal+ a donné son feu vert, et on a réalisé le film. Dans le film, on voit des membres du collectif 50-50 pour 2020. Est-ce que vous pensez que d'ici 2020, il y aura un vrai changement ? Non, je pense qu'il n'y aura pas de vrai changement d'ici 2020. Il y a eu déjà des changements. Il y a eu déjà de vrais changements. On en évoque quelques-uns dans le documentaire, dont cette mesure de 15% qui a été initiée par le CNC et qui fait que si des producteurs engagent à 5 postes qualifiants, 5 chefs de poste femmes sur un film, ils ont le droit à une aide de 15% supplémentaire. Donc c'est une façon d'inciter les producteurs à engager plus de femmes en leur donnant plus d'argent. Mais il y a déjà eu d'autres impacts. C'est-à-dire par exemple le Festival de Cannes, avant même qu'on lui demande cette année, a donné la liste des sélectionneurs pour montrer qu'elle était paritaire. Et d'autres festivals ont changé les instances dirigeantes. C'est le cas là du Festival de Berlin, ça a été le cas du Festival de Locarno, ça a été le cas du Festival de Toronto. Et maintenant, les directions de ces festivals sont paritaires, donc c'est ou un homme et une femme, comme ici au FFA avec Dominique Besnéard et Marie-France Brière, ou dans le cas de Locarno, c'est une femme maintenant qui est à la tête du festival. Et l'idée n'est pas, qu'il n'y ait plus d'hommes dans le métier, parce que ça serait un peu ridicule, et puis on serait la première victime, ce serait quand même dommage. Mais c'est qu'il y a une diversité des regards et une diversité des propositions. Et ça, c'est important. Et la diversité des regards, on ne se rend pas compte. Et moi-même, avant de faire ce documentaire, je pense que je ne me rendais pas compte à quel point elle est assez pauvre, cette diversité des regards. Et c'est un des buts de 50-50, donc c'est d'arriver à plus de parité, effectivement, mais pas uniquement de parité homme-femme. La prochaine étape pour eux, c'est aussi la diversité, l'inclusion, et de permettre à d'autres minorités de pouvoir s'exprimer, voilà. Et donc, qu'il y ait une plus grande représentativité de la société, devant, derrière la caméra et aussi dans les instances qui permettent aux gens de faire des films. Et c'est un exemple fort pour le reste de la société. Parce que forcément, comme les gens de cinéma ont la lumière sur eux, les gens se disent ok, ils font ça dans le cinéma, donc pourquoi on ne fait pas ça dans la boulangerie, dans d'autres corps de métier, quoi. Mais 2020, oui, effectivement, ça me paraît, c'est très très juste, hein, 2020, c'est dans quelques mois. Et je pense qu'il y avait surtout, c'était pour donner un effet et d'allant et en même temps un effet d'annonce, parce que le côté 50-50, 2020, ça sonnait bien. Mais en même temps, c'était une façon de dire, il y a urgence. Oui. Il y a urgence. Dépêchons-nous, ne restons pas les deux pieds dans le même sabot, ne nous contentons pas de dire, ah, c'est pas cool. Il faut faire quelque chose. Et le seul homme qui ait dit un truc vachement bien, je trouve, assez vite, c'est Jacques Audiard qui, au Festival de Venise 2018, lors de la conférence de presse qu'il donnait pour son film, a déclaré qu'il trouvait ça incroyable, qu'il y ait que une femme, qu'il n'y ait qu'une femme présente dans la compétition à Venise, avec pour une vingtaine d'hommes. Et donc, c'est exprimé clairement là-dessus, et on l'a applaudi, et il a dit non, on n'applaudit pas, on agit. Et cette phrase, on n'applaudit pas, on agit, on a racheté les images de cette conférence de presse pour les avoir dans le documentaire, on n'applaudit pas, on agit, c'est quelque chose, c'est vraiment une phrase qui m'a marqué, qui m'a encore... qui a dirigé mon travail sur ce documentaire, quoi. Parce que pour moi, c'était aussi c'était ma façon d'agir. Oui.
Tout à l'heure, vous avez parlé du Festival de Cannes et vous avez fait la voix off dans votre documentaire. Mais comment vous avez vécu le moment où les 82 femmes sont montées sur les marches? Alors, je l'ai vécu aux premières loges, parce que je suis la voix du Festival de Cannes. Donc, je suis en haut des marches et c'est moi qui annonce les gens qui arrivent sur le tapis rouge. Donc, la veille de la montée des marches, on a eu une réunion avec le collectif. Il y avait entre autres Rebecca Zlotowski, Céline Sciamma, toutes ces femmes formidables qui travaillent dans le cinéma. Et moi, j'étais extrêmement impressionné et je leur ai dit, écoutez, moi j'avais beaucoup de... J'étais très très timide, alors c'est pas forcément mon cas, mais là j'étais très très timide. J'aurais dit, écoutez, si vous voulez, moi je laisse ma place volontiers, quoi. Je disais, votre combat est hyper important et je vous donne ma place. Et je me souviens, Céline a dit, non, c'est hors de question, c'est ton poste, tu restes là. J'ai dit, ok. Et elles m'ont juste donné un texte que j'ai lu. Et avant qu'elle n'arrive et avant que Cate Blanchett prenne la parole. Et il y avait une femme que je connais qui est dans le cinéma, qui était à côté de moi, que je connais bien depuis très longtemps. Et on écoutait tout ça, on suivait tout ça, et je voyais toutes les jeunes femmes autour de moi qui débutent dans le cinéma ou qui travaillaient pour le festival. Parce que pour le reste, les autres étaient toutes de dos, quoi. Mais je voyais quand même les images sur le grand écran du palais. Et je les voyais toutes les larmes aux yeux, quoi. Et je me souviens qu'on s'est serré la main. C'est Isabelle Giordano qui travaillait à Unifrance à l'époque encore. Et on s'est serré la main, parce que c'était extrêmement fort comme moment. Et moi, j'ai versé ma larme, quoi, parce que je me suis dit que c'était une... D'abord, ce mouvement, c'était tellement fort et tellement beau. Et je me suis dit, moi, j'ai deux filles, dont une qui est... Enfin, la première travaille déjà dans le cinéma, à la déco, et la deuxième commence à être actrice. Je me suis dit que c'était une chance pour elle, quoi. Que c'était le début d'un mouvement, que c'était le début d'un combat, que c'était une chance pour elle et qu'il y avait une possibilité que les choses changent et qu'elles soient plus équitables dans un futur proche. Et de revoir, quand on était au montage, les images et tout ça, c'était à chaque fois, c'était un moment très fort. Et d'ailleurs, on s'est aperçu au montage que... Il y a un ou deux moments où mon micro n'est pas coupé et on m'entend rire sur une remarque d'Agnès Varda. Quand elles expliquent l'histoire des 82 et des 1600 et quelques, à un moment, on entend une voix qui fait « Putain, et c'est la mienne !» Voilà. Voilà comment je l'ai vécu. D'accord. Vous êtes maître de cérémonie du FFA, mais en quoi ça consiste? C'est très simple. C'est moi qui présente les cérémonies d'ouverture et de clôture. Je présente quasiment toutes les projections des films qui sont ici en avant-première. Je fais les masterclass et la radio du festival. Voilà. Et ce, depuis la création du FFA. D'accord. Mais est-ce que vous observez une évolution dans la sélection du FFA par rapport à la place de la femme? Pas particulièrement, mais l'avantage du FFA sur certains autres festivals, c'est que depuis sa création, il est paritaire. C'est quelque chose qui, je pense, tant dans l'esprit de Marie-France que dans l'esprit de Dominique, n'a aucune importance. Parce qu'ils ont toujours trouvé ça normal de travailler ensemble. C'est deux personnes qui sont extrêmement ouvertes d'esprit et que pour eux, tout ça n'existe pas. Il suffit de regarder la constitution de l'équipe. Il y a beaucoup, beaucoup de filles. Et du coup, eux choisissent qui les intéresse et c'est tout.
Et il y a eu par le passé Catherine Corsini qui a été honorée ici. Il y a eu, son nom m'échappe, mais bon, enfin, il y a eu plusieurs réalisatrices qui ont été honorées. Cette année, dans la compétition, je crois qu'il y a plus de films réalisés par des femmes que de films réalisés donc par des garçons. On va voir, là on a vu le film de Mati Diop, on va voir le film de Céline Sciamma, on va voir le film de Valérie Donzelli, voilà, c'est pas mal. Après il y a un autre problème qui se pose, c'est quand on arrive au niveau des avant-premières, ça c'est pas le problème de nos chers sélectionneurs, c'est le problème du business du cinéma français. Et du cinéma international, c'est-à-dire que là, on arrive dans un point qui est évoqué dans le documentaire, c'est la question des budgets. Et comme les avant-premières qui sont présentées ici sont souvent plutôt des gros films, donc qui dit gros film dit gros budget, les gros budgets ne sont pas alloués aux femmes. Donc on ne peut pas montrer deux films à gros budget de femmes. Voilà. Donc le problème ne vient pas de la sélection, le problème vient de la production. Parce que pour le reste, je pense qu'ici, on peut tout, sauf leur reprocher. On peut leur reprocher l'attente, l'attente pour voir les films, des choses comme ça. Mais ça, je pense qu'ils sont assez irréprochables. Voilà. Le féminisme, c'est pas les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. C'est tout le monde ensemble, mais de manière à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Et il y a plein d'hommes qui ont envie que les femmes s'expriment. Moi, j'adore travailler avec des femmes. Et sur le tournage de cinéma au féminin pluriel, j'ai tenu, parce que je trouvais que c'était quand même un peu le mec qui fait un film sur la place des femmes, c'était déjà des femmes. Donc j'ai veillé à ce que toute l'équipe soit uniquement constituée voilà, de femmes, et pas seulement parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles sont, elles sont talentueuses, quoi. Qu'elles connaissent leur métier et qu'elles sont super douées, quoi. Et c'était chouette, et j'ai bien l'intention de continuer. Voilà. Ouais. Merci à vous donc. On coupe. C'est bon. Allez. Ben merci à vous, non, vraiment sincèrement. Et alors, ça...